Bonjour et merci d'être avec nous pour ce dernier mag de la saison. Comme tous les vendredis, vous le savez maintenant, nous accueillons un nouvel invité pour parler de l'actualité économique, sociale et politique de notre région, plus précisément de la Charente-Maritime et encore plus précisément de notre territoire de l'ONIS. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Sébastien Allaire, le président de l'association Banque Info Recours. On va donc parler argent dans cette émission. Et comme tous les vendredis, bien évidemment, je suis accompagné de Yannick Picard. Bonjour. Et d'Antoine Collin. Bonjour. Bonjour Antoine. Bonjour Sébastien Allaire. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. On va parler donc, comme je l'ai dit, pas forcément de choses très agréables, surendettement, conflit avec sa banque, arnaque aussi, mais aussi mini-crédit et frais bancaires. Qui sont en pointe aujourd'hui. Sur ce plateau, vous êtes accompagné de Pierrick. Pierrick qui va nous raconter un petit peu son histoire, qui là n'est pas non plus très, très drôle. On verra ça en milieu d'émission, Pierrick. Merci d'être avec nous en tous les cas. L'association BIR, Banque Info Recours, elle a été créée en quelle année et par qui? Vous, j'imagine? Alors oui, elle a été créée en 2018 par, comme on se définit nous-mêmes, deux fous, parce que beaucoup de personnes nous donnaient peut-être 6 mois, puis nous on avait prévu de faire ça, je dirais, pour aider tout simplement. Pourquoi l'avoir créée? Il y a eu un déclic, un problème à un moment donné? Alors oui, je suis à titre personnel en procès avec face au Crédit Agricole et son assurance qui m'a été charmante assurance vendue par leurs soins, qui est CNP Assurance, je peux les citer. Il s'avère que j'ai de gros problèmes de dos et l'assurance ne m'a pas pris en charge. Donc à partir de là, vous vous êtes dit, non, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Voilà, donc je me suis rapproché de plusieurs associations et vous en avez qui sont là juste pour vous vendre des prestations, vendre des adhésions bien chères, vous faire appeler sur des numéros surtaxés. Je me suis dit, attends, ça va pas, quoi. Et puis je suis parti avec un autre bénévole d'une ancienne asso, parce qu'on était bénévole dans une ancienne asso qui prenait, je dirais, des côtés lucratifs, ce qui était vraiment pas le sens de notre engagement. Donc on a décidé de recréer ça, mais à notre petite échelle au début. Puis ça a pris une ampleur, parce qu'on a une philosophie qui... Enfin, les gens, s'ils nous sollicitent, ils donnent 1 euro, ils donnent 10 euros, ils donnent ce qu'ils peuvent, ce qu'ils veulent. Voilà, enfin, on n'est pas là, d'ailleurs, il pourra confirmer, je pense qu'on... Je sais même pas s'il a pris une adhésion, et puis on s'en fout. J'ai pris une adhésion, effectivement. Mais on ne demande rien aux gens, en fait. Voilà, on fait ce qu'on peut, parce que c'est pas tout le temps simple. Malheureusement, il y a des cas où... on a des cas humainement qui sont très durs à gérer. Donc, mais qu'est-ce qui vous motive? C'est la haine des banquiers? Non. Ah, c'est pas de la haine, c'est un constat. Ils mettent énormément de familles à terre, c'est une réalité. Les frais bancaires, on voit que pour bien des familles, ça leur coûte 1 mois de leur revenu dans l'année. Ça part de réalité. Donc oui, après, je cacherai pas que je suis pas le numéro 1 de leurs fans, ça c'est clair. Mais bon, en même temps, ça part de réalité. Qu'ils changent de comportement, nous, on trouvera d'autres loisirs, c'est pas un problème. Vous parlez de loisirs, Sébastien Allaire, mais vous en faites votre profession de cette association? Non. Non, non, moi je suis en situation de handicap, donc je suis à l'AH. D'accord. Voilà. Donc, j'ai mais du vous temps... y consacrez beaucoup de temps. J'ai du temps libre. Ouais. Donc autant l'utiliser à bon escient, plutôt que de regarder la télé, je préfère ça, voilà. Est-ce qu'on peut vous considérer comme un lanceur d'alerte? Étant donné que j'ai eu des procès en difame, peut-être. Et justement, on vous cherche des noises Oui, j'ai eu à maille à partir avec une banque de La Rochelle, avec un petit écureuil en logo, par exemple. qu'est-ce qu'il y a? Le Crédit Agricole, donc CASA, la maison mère du Crédit Agricole, qui m'a envoyé un mail voulant porter plainte en diffamation. Des diffamations par rapport à ce que vous publiez sur votre site internet, par rapport aux actions que vous menez? Tout à fait. Mais alors, à savoir qu'il y a une caisse régionale du Crédit Agricole, donc celle du Languedoc, qui a porté plainte en diffamation contre un de nos adhérents pour beaucoup de nos publications, le bilan, ça s'est soldé par une relaxe totale. Donc, comment vous assurez les frais de défense dans ce cas-là? Parce qu'on sait très bien qu'aujourd'hui, se payer un avocat, c'est... C'est ça, comment vous êtes structuré? Comment ça fonctionne, BIR? Alors, ça fonctionne. De toute façon, on travaille tous de chez nous, donc on n'a pas de frais de locaux, ce qui est important, parce qu'on n'aurait pas les moyens de louer des locaux, parce qu'il y a des mois, ça va encaisser 200 euros, des mois 300, enfin voilà, et c'est à peu près le médian qu'on va avoir. Donc, mathématiquement, on a un budget qui est très limité. Après, on a des avocats qui participent à l'association gracieusement, donc à donner des conseils aux gens, D'ailleurs, Eric a dû en avoir un qui l'a conseillé gracieusement dans le cadre de son
Des avocats de Charente-Maritime ou de toute la France ? Un peu partout. D'accord. Un peu partout. Après, sachant que c'est dur quand même de trouver des avocats qui, humainement, vont prendre peu d'honoraires parce qu'on a des gens en difficulté financière bien souvent. Donc, mais ça existe. Ça existe, bien entendu. Bien entendu, tout existe. Après, voilà. Mais on a des avocats qui vont étaler les paiements sur la durée de la procédure et pas demander des grosses provisions d'honoraires. Vous voyez, c'est ce genre de partenaire qu'on est obligé, entre guillemets, d'avoir. Parce que si on a un avocat qui demande une provision de 1 000 euros à des gens déjà en difficulté, ils ne pourront pas le faire. Vous parlez de gens en difficulté, difficultés financières, difficultés économiques, mais certainement psychologiques aussi. C'est un rouleau compresseur. Des juristes, enfin des avocats pour vous aider en tant que partenaire. Est-ce que vous avez aussi des psychologues ? Alors, on a si besoin, ça c'est clair. Après, c'est pas, je dirais, le plus courant. La grosse détresse psychologique, c'est pas ça va être pour des gens qui sont vraiment au bout du bout. Et là, comme ce qu'on diffusera tout à l'heure, où là, malheureusement, le monsieur s'est suicidé. Donc ça, c'est vraiment excessif. Il y a quelques mois, j'ai eu aussi un retraité qui, au début de notre conversation, voulait soit se pendre, soit prendre son fusil pour aller à son agence bancaire. Donc voilà, c'est toutes ces réalités, ouais, c'est dur à gérer, même pour nous. Hein, je peux vous dire, il faut prendre le recul aussi. Vous êtes des éponges, en fait, hein, c'est ça ? Vous absorbez la misère du monde. Ouais, mais on se substitue aussi beaucoup au pouvoir public. Parce que quand est-ce qu'on va prendre ça à bras le corps ? Qu'est-ce que vous entendez par là ? On a eu du débat sur les frais bancaires. On a eu notamment Cache Investigation sur les frais bancaires. Donc on a travaillé 2 ans sur ce reportage avec les équipes d'Élise Lucet. Et on a mis en avant que Bruno Le Maire, qui s'est présenté comme le patron face à Élise Lucet, donc je cite ses termes, bilan, il a eu 50 relevés de compte, donc les frais annuels de famille. Avec le nom, il y a tout. Hein. Et on a pu constater que ça prenait bien un mois de leur revenu à ces gens-là. Il n'en est rien ressorti. Ce qu'il en est ressorti, c'est qu'on va demander aux banques de faire des efforts. Maintenant, quand on a décidé que nous, on devrait porter un masque, on nous a dit « vous porterez un masque ». On ne nous a pas dit « éventuellement, peut-être, souhaiteriez-vous porter un masque ». Donc il y a un deux poids, deux mesures face au lobby bancaire qui est très puissant. C'est le plus puissant, de toute façon, on ne va pas se le cacher. Eh bien, on y va avec des pincettes, parce qu'il ne faut pas froisser... Alors, est-ce que c'est un peu le combat du pot de fer contre le pot de terre ? Mais tout à fait, tout à fait. Enfin, on a le PIB du Burundi pour attaquer les États-Unis, grosso modo. Donc oui, c'est le pot de fer contre le pot de fer. Concrètement, depuis 2018, fondation de l'association, création de l'association, vous avez traité combien de dossiers ? Aujourd'hui, vous en avez combien en cours ? Alors, ça va du petit au gros cas, mais... Qu'est-ce que vous appelez un petit Ça va être des conseils sur les tarifications, quelle banque collerait le plus à mon profil. Enfin, donc voilà. Là, pas forcément un litige, là, vous êtes plus dans le conseil. Mais on est là aussi pour aiguiller les gens. Il y a des banques qui vont être plus humaines en termes de frais bancaires, notamment le Crédit Mutuel. Et suite aux fraudes qu'on a pu traiter, notamment fraude au chèque, je sais de source interne que le Crédit Mutuel a révisé ses protocoles d'encaissement de chèques pour limiter le risque de fraude. Donc vous voyez, tout ça, c'est pour nous important. On n'est pas là pour durer 20 ans, on s'en fout de la durée de vie de l'asso. Nous, ce qui est important, c'est d'obtenir des avancées. Donc, combien de dossiers, je reviens à ma question. Je dirais 7000 à peu près par an. 6 à 7000 par an en fonction. Après, on a des réseaux un peu développés. On a des gens qu'on a mis en protection par le délai de grâce. Donc il y a un outil législatif très efficace et dont on prône l'amélioration et l'ouverture aux professionnels parce que c'est un très bon palliatif pour stopper l'hémorragie. Ça tombe bien, on vient de changer l'Assemblée nationale, ce sera peut-être le moment. On en reviendra. Alors ça, ouais, je comptais y revenir parce que... On l'abordera. Bien évidemment, nous, on s'est battu pendant depuis la fondation de l'association. On a eu un premier reportage avec France 2 en janvier ou février 2019 où on évoquait ça, notamment l'offre client fragile en matière de frais bancaires qui protège à peu près 3 800 000 personnes. Enfin, 3 800 000 personnes éligibles. On est quand même un pays où on a 10 millions de pauvres. Donc pour moi, déjà, quelqu'un de pauvre est nécessairement fragile financièrement. Point. Il n'y a pas besoin de spéculer ou de tourner autour du pot. Quelqu'un de pauvre est fragile financièrement. C'est de fait. Je voudrais en revenir à l'association. Vous dites que vous traitez donc 7000, à peu près 7000 dossiers par an environ. Vous êtes combien dans cette association ? Alors, on est un réseau de 10 à 15 bénévoles, après qui prennent du temps, plus, moins. C'est énorme. 7000 dossiers pour 15 personnes. Alors, il y a aussi des personnes qui le traitent aussi dans leur coin. Comme je disais, les gens qu'on a orientés sur des délais de grâce, en fait, ils se rendent compte que c'est très simple à faire et qui le font eux-mêmes. D'ailleurs, on va tirer notre chapeau au passage au tribunal judiciaire de Nîmes qui, en moins d'une semaine, stoppe les crédits des consommateurs pour 2 ans sans intérêt supplémentaire. On a des réponses sous maxi une semaine là-bas. Et je peux vous dire... À titre de comparaison, tribunal judiciaire de La Rochelle ? Alors, dernièrement, on n'en a pas fait, mais on est sur un médian d'un mois, je dirais, un mois et demi. D'accord. Sur ces 7000 dossiers, généralement, c'est quel type de fraude, d'arnaque ? Alors, des conseils sur les frais bancaires,
qui sont vraiment le souci numéro un, c'est la face visible de l'iceberg. Parce que moi, à titre personnel, bon, là, j'ai un litige d'assurance emprunteur. Vous n'avez pas encore vu ça dans les médias. Bon, on y viendra tôt ou tard. Mais voilà, ce n'est pas une affaire personnelle, vous voyez. Parce que moi, les frais bancaires, j'en ai jamais eu. Mais c'est le premier point qui va mettre en difficulté les familles. Ça va commencer par un découvert. On a du mal à le combler. Alors, comme vous allez faire vos courses dans toutes les grandes enseignes, on vous a collé très certainement des petites cartes pour les facilités de paiement, 10 fois sans frais. Et à ça, vous avez d'adosser 1 500 € de réserve d'argent. Donc, les gens, une fois bien en difficulté, beaucoup vont avoir tendance à piocher dans cette carte. Et ainsi de suite, vous voyez. Les frais bancaires, c'est la première étape. Après, vous avez toutes les autres étapes. Et au bout du bout, les gens finissent en surendettement. Et toutes les banques ont la même pratique où il y en a quand même qui arrivent à sortir du lot et Y en a-t-il qui sont plus vertueuses que d'autres? Oui, avoir une pratique un peu plus humaniste. Alors, dans le choix entre la peste et le choléra, ouais, il y en a qui sont un peu moins sévèrement touchés. Je disais le Crédit Mutuel, notamment en termes de frais bancaires, qui, sur ses critères, parce qu'on a obtenu donc nos batailles, un député de Dordogne qui s'appelle Philippe Chassin, avec qui on a travaillé plusieurs fois, qui était député de la majorité, qui n'a pas été réélu, il nous avait auditionné dans le cadre des frais bancaires, dans le cadre du dossier qu'il a fait sur le surendettement, que je vous avais transmis il y a quelques mois, que vous n'aviez pas pu traiter. Donc, il a obtenu que ces critères, parce que depuis 2014, la banque, si elle vous limite les frais bancaires, les critères étaient secrets. Elle n'avait pas à les rendre publics. Donc on a obtenu que ce soit enfin public. Vous vous rendez compte, de 2014, ça a été fait en 2021. C'est juste une petite avancée comme ça. Je reviens à votre association. Vous disiez tout à l'heure, c'est parti de deux fous. Ouais. Aujourd'hui, vous n'êtes plus tout seul ? Ah ben non. Gilles, il est à l'heure actuelle en Nouvelle-Calédonie. Et d'ailleurs, il œuvre aussi là-bas. Gilles, son nom de famille, on peut le citer ou pas ? Oui, Hernandez. D'accord. C'est public, de toute façon. Vous êtes tous les deux coprésidents ? Comment ça se passe ? Ouais, voilà. On décide avec même un autre petit réseau élargi. Vous avez un bureau dans l'association ? Non, parce qu'on est tous à droite, à gauche. D'accord. On est sur toute la France, donc ce serait compliqué. Mais on se concerte avec les outils numériques, on arrive à se concerter. Et avec un budget annuel de ? 3 000, 4 000 euros maximum. Qu'est-ce qui est dérisoire ? Mais ça suffit. On travaille en 2.0, on est tout... Est-ce que vous êtes subventionné ? Non, on n'en veut pas. D'accord. Pour garder une certaine indépendance ? Tout à fait, tout à fait. Les subventions, nous, c'est hors de question de les solliciter. Vous nous rappelez où se trouve votre association, le siège social ? Alors, Marennes. Donc dans l'île d'Oléron, dans le sud du département ? Pas dans l'île d'Oléron, juste avant. Ah d'accord. Mais bon, c'est... non, mais globalement, puis après, on œuvre sur tout le territoire. Dans nos premiers adhérents... À l'étranger aussi, peut-être, non ? Pas France. Alors, Outre-mer. Outre-mer. Étranger, non. Des Français qui seraient à l'étranger, par exemple ou... On en a, ouais, des fois, qui nous ont sollicité, notamment dans le cadre d'N26, qui bloquait un peu les comptes en début d'année. Donc, mais après, c'est, je dirais, plus marginal. Le gros qu'on a, voilà, c'est Métropole, Outre-mer. Mais sachant qu'en Outre-mer, bah, vous avez le franc pacifique, vous avez quand même aussi des coutumes locales qui sont un peu différentes. Voilà, c'est un peu... Mais même la grande majorité, c'est... national. À la base, personnellement, vous n'avez aucun lien avec le monde de la finance ou vous n'avez pas fait d'études dans C'est par l'expérience personnelle. Puis après, bah voilà, on apprend très vite le délai de grâce. C'est très simple à monter, mais on explique aux gens qu'il faut le faire. Et c'est pour ça qu'on était... pour nous, c'était très important que ce soit exposé dans Cash Investigation, parce que ça a amené énormément de gens à se dire, bah, tiens, je peux faire ça. Et qui plus est, pendant le Covid. Vous voyez, l'État a choisi le PGE. Nous, ce qu'on avait fait remonter au ministère, ce qu'on souhaitait, c'était pour les entreprises qui ont des encours, et ben plutôt aller sur ces solutions. Stopper les sorties d'argent plutôt que de faire prendre de la dette supplémentaire. Et je pense que ça aurait été cohérent. Quand vous dites on a fait remonter au gouvernement... Par les députés... Le gouvernement vous sollicite directement, non, c'est par les parlementaires. Par les parlementaires, on est d'accord. Oui, on est parti. Dernière question concernant, pour ma part, l'association. Vous parlez de procès tout à l'heure. Est-ce que l'association vient au soutien physiquement lors des procès ou des procès ? Quand on a des réseaux locaux, notamment Gilles, quand il était sur la région lyonnaise, a accompagné les gens pour les surendettements. Ça, je le fais également sur Rochefort. Enfin, on le fait quand les gens ont besoin, parce qu'il y a des gens où ils vont avoir besoin. Après, globalement, on les coach, on leur expose ce qu'il faut faire, pas faire. Et puis voilà, après, c'est relativement simple, notamment dans le cadre des surendettements. Les gens, voilà, les créanciers ne sont pas nécessairement présents, donc il n'y a pas d'avocat adverse en face. Donc voilà, on argumente sur leur parcours, pourquoi ils en sont là. C'est quand même globalement simple à faire. Après, il y a des gens qui n'arrivent pas à le faire, donc là, on essaye, dans la mesure du possible, de les accompagner. Oui.
Quelle est la typologie de ceux qui font appel à votre association? Est-ce que ce sont plus des ouvriers, des cadres, ou est-ce que vous avez tout type de typologie? Je dirais tout et chacun. Ça va de la personne au RSA qui est tombée au RSA pour X raisons, au couple qui se sépare, problème de santé, découverte de la maladie d'un enfant, donc qui va gréver le budget pendant un certain temps et qui va faire baisser vos revenus. Et c'est là que je dirais qu'il faut avoir des mesures rapides. C'est-à-dire, la personne, par exemple, il y aurait des critères faciles à mettre en place, notamment pour limiter les frais bancaires. Ce serait simple de créer une alerte si la personne a 20% de dépenses en plus ou 30% de dépenses en plus, et que la banque, qui a un devoir de conseil, s'interpelle sur le pourquoi. Oui, mais ce n'est pas l'intérêt de la banque. Ah non, son intérêt, c'est de gagner du PNB, c'est-à-dire vendre un maximum de produits. On le voit, ils font tous des assurances aujourd'hui, et ils incitent même lors de rendez-vous à prendre leur assurance pour avoir le crédit de la maison, par exemple. Donc c'est pas par écrit, mais c'est fait à l'oral lors des rendez-vous. Et de toute façon, là, on pourra pas m'attaquer de diffamation. On en a des enregistrements audio, voire vidéo. Mais voilà, vous avez tout ça. Il faut absolument placer leurs produits. Leur seul intérêt, c'est le PNB. Et les frais bancaires, il faut savoir que ça représente autour de 12 milliards d'euros sur l'année. Donc ils fonctionnent complètement comme des commerciaux. On vend un produit... Ah, mais c'est des commerciaux, c'est plus des conseillers pour la plupart. Mmh. Enfin, c'est une réalité. Justement, donc on va passer, si vous le voulez bien, au mini-crédit kit, qui est quelque chose d'assez neuf en France, en tous Alors, les cas. Alors, c'est le futur cancer. La question que j'allais vous poser. Les mini-crédits donc, sont en vogue. On peut, avec ces mini-crédits, emprunter de 300 à 5000 euros, à peu près. Plutôt autour de 1000. C'est ce qu'indiquait la Banque de France. Jusqu'à 5000. Après, globalement... Après, c'est le crédit à la consommation. C'est ça, au-dessus de 5000. Après, vous avez une ambiguïté, parce que notamment la loi Lagarde, qui date de 2010 de mémoire, les crédits de moins de 3000 euros, en fait, vous n'avez pas d'études de solvabilité poussées. Et c'est ce qui est le gros cancer de tout ça. J'allais vous poser la question, justement, est-ce que c'est un piège, un nouveau piège tendu aux gens qui forcément ont des problèmes pour compter un peu qu'ils ont des problèmes pour compter, mais ça, vous voyez, ce genre de mini-crédit, même en surendettement, vous pouvez en souscrire. Donc, quelqu'un d'endetté peut en prendre. Donc là, on parle de sommes en deçà de 3000 euros. Hein. Ouais. D'accord. Sachant que le FICP, qui est le fichier des incidents de paiement de crédit, il est juste informatif. Il n'interdit pas aux banques de vous prêter. Vous voyez ? Et ça aussi, il y a peut-être... nous, ce qu'on prône, de toute façon, on a été clair lors des auditions qu'on a pu avoir, c'est qu'il y a un fichier qui recense l'encours bancaire des gens. C'est-à-dire que toutes vos dettes, de la COFIDIS au découvert, tout soit listé dans un fichier central. On arrive à le faire pour les incidents de paiement. On pourrait très bien le faire pour les crédits que vous avez d'ores et déjà. Mais encore, faudrait-il que toutes les banques aillent dans ce sens-là, parce que je ne suis pas persuadé. C'est pas dans leur intérêt, ça, ouais. On est d'accord, parce que si vous regardez bien, tous les réseaux bancaires font des crédits en agence, et toutes les banques ont également des organismes de crédit, Cofidis, CTLM, etc., qui appartiennent à de grands réseaux bancaires. Stratégiquement, c'est qu'en agence, ils sont obligés d'être plus rigoureux sur l'endettement. Donc quand vous ne pouvez plus, vous allez sur Cofidis. Aujourd'hui, le taux d'endettement maximum, si vous pouvez le rappeler? Alors, normalement, c'est 33%, mais moi, j'y inclurais bien le découvert de façon claire. Donc parce que c'est au pouvoir discrétionnaire des banques, vous voyez, tout ça. Sachant que pour le crédit IMO, les banques ont arrêté de financer à 110%, ce qui est déjà, je dirais, plutôt bien, parce que ça évite, en cas de revente de la maison rapide, de se retrouver avec des situations, je dirais, où les gens vendent la maison et ont encore beaucoup de dettes. L'endettement, l'apport est de plus en plus conséquent. Ils demandent autour de 20% maintenant. Je dirais ce qui est à peu près cohérent. Par contre, ça bloque l'investissement des jeunes couples qui veulent éventuellement acheter un bien. Pour nos téléspectateurs, est-ce que vous pouvez nous expliquer, nous rappeler un petit peu ce qui est la différence entre le mini-crédit, le micro-crédit, le paiement fractionné? Parce qu'il y a aussi le paiement fractionné, très utile pour quand on veut s'acheter un bien sur des sites de vente à distance, pour certains, en tous les cas. C'est quoi la différence? On a du mal un peu à... Enfin, on s'y perd. Je dirais qu'on joue dans toute cette ambiguïté de la loi Lagarde. Ils inventent de nouveaux produits, mais qui, en fait, sont un peu comme les premiers, on va pas se le cacher. C'est du crédit, quoi qu'il en soit. C'est du crédit. Vous dépensez de l'argent que vous n'avez pas à l'instant T. Et les pouvoirs publics et les banques répondent que réformer ça toucherait le pouvoir d'achat et la fameuse consommation. Ce qui est totalement faux, parce que vous allez surconsommer à l'instant T quand vous allez dépenser cet argent que vous n'avez pas, mais vous grévez votre pouvoir d'achat sur les mois suivants. Donc l'un dans l'autre, les seuls bénéficiaires, quoi qu'il en soit,
c'est les établissements financiers qui vous appliquent des intérêts pour vous vendre ces produits. Mais en 2022, est-ce qu'on peut vivre sans crédit ? Qu'il soit micro, mini, paiement différé ? Est-ce qu'on peut vivre sans crédit ? Alors, la réponse qu'on fait aux gens dans ces cas-là, c'est pareil, on a beaucoup de gens qui nous disent « Oui, mais mon découvert, je ne peux pas m'en passer. » Eh bien, il faut regarder ce que ça vous coûte sur l'année. Et ça coûte combien, alors, en moyenne ? Un découvert, pour les gens qui sont bien enlisés dedans, un mois de leur revenu. Je reviens à ma question. On peut vivre sans crédit ou pas ? On peut. Beaucoup doivent le faire. Vous avez notamment tous les gens qui se retrouvent au RSA. Vous inquiétez pas, ils n'ont pas de crédit. On ne leur en donne pas. Je reviens sur Consommer peut-être différemment. Je reviens sur un type de crédit dont on ne parle pas trop. C'est le crédit, les microcrédits associatifs. Hein, je pense au Cigale notamment. Qu'est-ce que vous en pensez de ce système-là ? Bah, ça peut aider, mais le problème qu'il y a, c'est qu'on s'endette, on se crée une charge mensuelle. Donc le tout, c'est de bien assimiler cette charge mensuelle, comment on l'absorbe derrière. Ça peut aider ponctuellement. Comme le 10 fois sans frais, quelqu'un qui gagne 3000 euros, il peut le prendre, il va l'absorber facilement. Vous voyez, mais quelqu'un qui est tendu tous les mois, se rajouter une charge, et bien souvent, c'est avec le grain de sable qui vous fait basculer de l'autre côté. Je ne dis pas que ces produits sont mauvais, mais il faut les utiliser. Basculer de l'autre côté, c'est quoi ? Pardon ? Basculer de l'autre côté, c'est quoi ? Tomber dans la spirale négative, c'est-à-dire s'endetter et creuser. Mais voyez, il y a un point de bascule, et je conçois que ce ne soit pas simple de trouver les mesures les plus adéquates, ça c'est clair. Mais on ne peut pas laisser ces situations perdurer. Quoi. Enfin, moi, je trouve qu'on est quand même à une époque où on se préoccupe de beaucoup de choses. Il faut se préoccuper aussi de ces gens-là qu'on laisse tomber à terre. Donc en vous écoutant, j'ai l'impression qu'en fait, on manque de conseils. C'est ça ? Vous n'avez plus de conseillers. Les gens ne sont pas suffisamment accompagnés ? Alors, ce qui serait dans les mesures qu'on trouverait intéressantes, c'est de mettre des modules d'éducation budgétaire dès la primaire, par exemple. C'est tout bête, mais apprendre à gérer de l'argent de poche aux enfants du plus jeune âge, eh ben, c'est leur mettre un pied dans ce qu'il faut faire, pas faire, de façon homéopathique, peu à peu. Mais ça pourrait aider à avoir des consommateurs plus responsables à l'âge adulte, par exemple. Vous avez parlé de crédit à la consommation tout à l'heure, un véritable cancer. Vous pouvez nous parler des taux qui sont appliqués ? Vous parliez de Cofidis, CTLM, enfin bref. Ça va jusqu'à 20%. Parce que si on lit les publicités, c'est presque gratos, c'est un taux dérisoire. Alors, taux dérisoire, parce qu'on vous attire avec un taux dérisoire. Le fameux 10 fois sans frais, le ceci, le là. Vous mettez le pied dedans. Et après, c'est quand vous allez repiocher régulièrement dans les réserves d'argent. Et là, on est sur des taux à combien, là ? Là, on va être autour de 16% à peu près en ce moment. Le crédit étudiant, c'est le même piège aussi ? Parce que par exemple, on dit à taux zéro, mais généralement c'est plus autour de 1% ou 1,2%. Le prêt étudiant, on calque un produit qui existe aux États-Unis par exemple depuis plusieurs années. Le prêt étudiant existe là-bas depuis très longtemps et vous commencez à avoir des subprimes étudiants. Vous voyez, des étudiants qui arrivent sur le marché du travail et qui n'arrivent pas à payer ce crédit. Eh bien, on prend, nous, gentiment, le même chemin. Parce que même qu'il soit à 0%, votre prêt, si vous n'arrivez pas à le rembourser quand il vient en amortissement, vous faites comment ? Et vous avez des profils étudiants dans... On en a déjà, oui, qui se retrouvent avec des prêts étudiants. Ils se retrouvent à l'âge de commencer à le rembourser. Ils n'ont pas de job. Les parents, la situation s'est dégradée. Comment ils font ? Et c'est des jeunes, on les lance dans la vie avec un surendettement. Avant de passer au billet d'humeur d'Antoine Collin, moi j'aimerais bien savoir, si on se retrouve dans une situation difficile financièrement, vers qui on peut se tourner, à part vous ? L'association, alors, vers qui on peut se tourner ? On peut se tourner vers les pouvoirs publics, par exemple ? Il y a des agences ou des alors, il y a les points conseils budget qui ont été créés, mais qui manquent de formation, parce que, je peux aussi le prouver, de par ma boîte mail, il y a des points conseils budget qui nous demandent eux-mêmes des conseils pour conseiller les gens. Des points conseils budget, il y en a en Charente-Maritime ouais. Oui, vous voyez, vous en avez même... Voilà. Ça. Donc, points conseils budget, nous, on avait même prôné dans nos auditions, parce qu'il y en a sur La Rochelle, c'est l'UDAF, UNAF qui les gère. On avait prôné que ce soit itinérant, parce que vous avez des territoires reculés. Bien sûr, en zone rurale. Eh bien, on a proposé ça de l'expérimenter par notre bénévole qui est sur le pays crétois, donc qui est dans... C'est une bonne question. L'Ardèche, de mémoire, un truc. Enfin, est-ce qu'on pourrait imaginer ça, regrouper ça avec les maisons France Service qu'on ouvre à tour de bras un peu partout aujourd'hui là ? Mais ça aurait toute sa place. Ça aurait un sens. Ça aurait un sens. Encore faut-il amener les gens, et c'est là que notre impertinence, qui est volontaire et assumée, notamment sur nos réseaux, a son rôle. Il faut briser ces phénomènes, parce que les gens en difficulté, ils ont honte.
Y a la peur d'en parler, il y a la peur d'être jugé, vous avez tout ça. Et tout ça, bah, faut aussi travailler à le briser. Et ça, Mais vous parlez beaucoup de réseaux, mais on parle aussi de zones rurales. Comment les personnes en zone un petit peu reculée peuvent avoir accès à votre association peuvent, Ah, ça, je sais, mais après, on fait ce qu'on peut avec nos petits moyens. Après, je sais, oui, qu'il y a des endroits où... Et c'est pour ça que les points conseils budget... D'où l'intérêt d'avoir peut-être des systèmes itinérants, alors. C'est la réflexion qu'on en avait dans le cadre de l'audition sur le surendettement dont le rapport, vous l'avez. Ça fait partie des solutions. Ouais, nous, Il va falloir que l'association achète un camping-car. Ça va être difficile. Sans s'endetter. Sans s'endetter. Je suis pas sûr que... Et une autre question. Donc, on parle d'éventuellement de protection au niveau du territoire français, mais au niveau européen, il existe quelque chose? Il y a des recours, des protections où l'Europe ne s'en soucie absolument pas? Alors, le droit européen, le problème, c'est que quand la France, par exemple, ne respecte pas une directive, il va falloir aller jusqu'en Cour européenne. C'est long, coûteux. Vous avez eu des démarches qui a été faites, une démarche qui a été faite par l'AFUB au niveau assurance emprunteur, mais ça prend des années et des années. Non, la meilleure des solutions, c'est un peu de bon sens. Je suis désolé, parce qu'à chaque fois qu'on en parle avec des élus en off... ils sont tous globalement d'accord. Ah oui, c'est abusif de prendre un mois de revenus aux gens pour... Mais... bougez-vous. Mais derrière, il ne se passe rien. Faites, ça touche... Il n'y a pas de clivage politique. C'est un sujet qui touche tout le monde. Il y a Alexis Corbière qui avait déposé une loi sur les frais bancaires. On avait collaboré à amener des chiffres. Voilà, il y avait eu 7 groupes sur 10 de mémoire parlementaire qui avaient voté pour. Et c'est pour ça que là, on a bon espoir. Vu l'éclatement politique qu'on a, qui va s'opposer à des mesures comme ça aujourd'hui? Donc ça, on essaye de voir. J'étais avec Véronique Danet, qui est cadre et déléguée syndicale, et qui est aussi, elle fait partie de la France Insoumise. Mais nous, après, on est apolitique. On parle avec tout le monde de la même façon. Eh bien, on va essayer de ramener ça dans la fameuse loi pouvoir d'achat, qui va être en débat prochainement. Voilà, du pouvoir d'achat va vous redonner aux gens un mois de leur revenu dans l'année. Ça va être de l'oxygène pour beaucoup de familles. Donc je pense qu'on serait dans la cohérence. Ça coûte zéro en déficit public, parce que c'est une mesure qui coûte aucun argent public. Derrière, vous allez redonner de l'oxygène aux gens. Donc, c'est de la consommation, c'est de la TVA qui rentre dans les caisses de l'État. Vous voyez, c'est quand même plus vertueux que d'avoir ça dans le PNB des banques. Parce que, mine de rien, pendant le Covid, beaucoup de secteurs ont souffert, mais pas les banques. Regardez les bénéfices qui ont été faits pendant la période Covid. Ils ont explosé. C'est paradoxal, quand même. Si vous voulez bien, Sébastien Allaire, on va passer au billet d'humeur d'Antoine Colin. Petite touche d'humour. Bon, monsieur Allaire, j'ai une petite idée pour ce billet, essayer de trouver des points positifs aux banques. Bon, j'en ai pas trouvé beaucoup à vrai dire, mais j'en ai quand même un. C'est vrai que de temps en temps, il arrive qu'on reçoive des petits messages pour nous prévenir de l'état de nos comptes. Alors, c'est vrai qu'ils sont mignons, ces banquiers, hein, trop aimables, franchement. J'ai un petit exemple. La semaine dernière, ma banque m'a envoyé un mail pour me prévenir que je ne pourrais pas faire de virement de plus de 10 000 euros par jour. Bon, quand j'ai vu ça, je me suis effondré, hein. Si je peux même pas retirer au moins 10 000 euros par jour, je ne vois pas comment je peux m'en sortir. Donc plus sérieusement, je vais en profiter pour faire passer un message à ma banque. Ne vous embêtez plus à m'envoyer toutes ces informations sur mes comptes. Je le sais, je suis pauvre. Pas besoin de me le rappeler toutes les deux semaines. Puis on connaît leur technique. On l'a vu dans Cash Investigation sur les frais bancaires justement. À un moment, on nous présente une cliente qui reçoit un prélèvement d'un montant de 19 euros. Et bien la réponse, elle a été claire. Pas de prélèvement possible. Vous n'avez pas d'argent, par contre, on vous prélève 19 euros de frais bancaires. Donc, comme vous l'avez dit tout à l'heure, il y a quand même un petit paradoxe dans tout ça, certainement. Pour autant, il y a toujours une raison, une explication. Les démissions, les non-remplacements, les départs à la retraite, la hausse des incivilités, mais surtout la pression commerciale crée un profond mal-être parmi les conseillers bancaires. Face à la pression subie par leurs supérieurs, être banquier en 2022, c'est quand même pas de la tarte, c'est plutôt dur. C'est pour cette raison qu'on subit les conséquences. Aujourd'hui, on est au bout de la chaîne alimentaire des banquiers, si je puis dire. Puis la baisse des effectifs, la hausse des incivilités pointée par l'Association française des banques, mais surtout la pression du chiffre, explique le mal-être croissant dans les agences bancaires. Pourtant, de l'autre côté, on apprend que la plus grande banque de la zone euro, la BNP, pour ne pas la citer, a dégagé presque 10 milliards d'euros de bénéfices en 2021. Vous en parlez tout à l'heure. Encore un paradoxe. Alors, à qui revient la faute de cette pression financière qui s'accroît depuis plusieurs années? Je vous pose la question, monsieur Alain.
Les banques elles-mêmes ? Déjà, je vais citer oui, les employés. Ça, c'est une réalité. Beaucoup vivent mal leur situation interne. Et c'est pour ça qu'ils nous envoient des documents internes, accessoirement, qu'on exploite joyeusement. D'ailleurs, là, il y a une cadre du Crédit Agricole qui est en train de nous trier 12 ans d'archives. Je peux vous dire qu'on commence à se faire plaisir. Ouais, ils vont pas aimer non plus derrière, je pense. Mais bon, bref, ça, on verra ça le moment venu quand on aura fini de fouiller tous ces cartons. Parce que, non, c'est... Voilà, et vous avez... Oui, ils se mettent en burn-out. Vous en avez, ouais, des dépressions dans le secteur bancaire. La pression du chiffre. On a livré aussi des témoignages d'employés de banque, notamment sur notre site internet. Donc là, c'est livré brut, juste rendu anonyme en lieu, de façon à ce que les gens ne soient pas embêtés. Mais oui, il y a des gens, ils démissionnent parce qu'ils ne peuvent plus se regarder dans la glace. Enfin, vendre des produits qui ne sont pas adaptés aux gens, et quand vous le savez sciemment... c'est sur La Rochelle notamment le Crédit Agricole qui avait vendu son magazine, l'abonnement de son magazine à une cliente aveugle. C'est beau ça quand même. Hein. Et ça, c'est le Crédit Agricole de chez nous, c'est bien local. Hein. Donc vous voyez, c'est tout ça. Donc ça, en fait, c'est malsain. Ça fait aussi que l'univers et l'ambiance autour des banques soit aussi, comme vous le dites. Après, ouais, je vous cacherai pas qu'on leur fait pas de pub, ça c'est oui, mais qu'ils changent de comportement, et ça vient pas des employés malheureusement, ça de base, qui eux ont pas le choix que d'appliquer ce qu'on leur fait faire. Ça, c'est là-dessus je discute même pas, c'est pas les employés qu'on met en cause, hein. C'est les directives qui viennent de là-haut, ça, que ce soit clair, c'est jamais les employés qu'on cible, sauf ceux qui défendent bec et ongles leur institution comme si elle était vertueuse et saine, notamment vous avez les banques françaises énormément mouillé dans les énergies fossiles. Vous avez dû voir passer ce genre d'infos aussi. À l'heure où on parle d'écologie de plus en plus, vous voyez qu'elles se remettent en cause, mais là-haut. Là-haut. Vous disiez tout à l'heure, grosso modo, plus de crédit, ce serait idéal, hein, de vivre sans crédit. Un minimum, ouais. Est-ce que là, on pourrait vivre sans banque et revenir à la chaussette de laine ? Je ne prône pas ça non plus, attention. Alors vous prenez quoi ? Non, mais justement, qu'il y ait un meilleur respect des clients et des salariés. Des banques plus vertueuses. Bah, plus vertueuses. Quand on voit les milliards de bénéfices qu'elles font, est-ce qu'elles pourraient éviter d'assassiner les gens. Oui, elles en ont la marge de manœuvre. Point. C'est tout. Enfin, voilà, on va pas... quand on voit les milliards, les 10 milliards de BNP, bah, enlever leur milliard et demi de frais bancaires sur les petites entreprises, parce que pour une petite entreprise, c'est pareil, on a des dossiers de petites entreprises où, sur l'année, c'est autour de 10 000 euros de frais d'incident bancaire. Ces 10 000 euros, ça les met à terre sur 3-4 ans. Vous voyez, donc tout ça, eh ben, la banque, elle peut s'en priver de gagner 1 milliard de moins BNP. Avec 9 milliards, je pense qu'ils auraient de quoi vivre, mais sans mettre les familles à terre de l'autre côté. Les banques sont indépendantes, ce sont des banques privées. Est-ce qu'il faut légiférer là-dessus ? Bah oui. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut légiférer. Alors, en 2018, il y a eu des débats sur les frais bancaires. 2019, il y a eu des débats sur les frais bancaires. 2020, 2021, Bruno Le Maire lui-même a dit que c'était le patron et que s'il fallait légiférer, il le ferait. Il attend quoi ? 2022, peut-être ? Ouais, il paraît. Est-ce que le comportement des banquiers est le même selon les profils ? Par exemple, une personne beaucoup moins... Ah non. Beaucoup moins riche... Si vous avez les moyens de virer vos 10 000 euros tous les jours, globalement, vous allez être mieux reçu que si vous êtes au SMIC. Hein. Oui, bien sûr. Mais ce que je veux dire, c'est est-ce qu'on retrouve les mêmes pratiques avec les gens qui ont du patrimoine, de l'argent ? Non. Non. Non, parce que si vous avez du patrimoine et de l'argent, vous n'allez pas être à découvert. Ou si vous avez plusieurs comptes, vous n'avez pas fait attention, vous allez passer un petit coup de fil, on va vous annuler la commission. La commission qui est de 8 euros, c'est pour vous faire passer des opérations en supplément de votre découvert, pour être précis. On ne va pas le rappeler une nouvelle fois, mais on a traversé une crise sanitaire, hein, depuis 2020. On continue d'ailleurs à la traverser. Elle n'est pas terminée, puisque à première vue, les chiffres de la pandémie sont en train de remonter, en tous les cas des contaminations. En 2020, le gouvernement a indiqué qu'il y avait 31 000, je vais y arriver, défaillances d'entreprises contre 50 000 en 2019. Et entre mars 2020 et octobre 2021, 40 000 faillites évitées, selon ce même gouvernement. Ces chiffres, ils vous parlent, ils sont corrects à vos yeux. Deuxième question, est-ce que le PGE a rempli son rôle ou est-ce qu'il a aggravé la situation de certains ? Alors, premier point, on a eu pendant le Covid les perfusions d'aide qui ont maintenu en survie beaucoup d'activités. C'était une bonne chose. J'ai pas dit que c'était une mauvaise. C'était une bonne chose, ça c'est clair. De l'autre côté, vous avez eu les tribunaux qui ont moins fonctionné. Ça fait partie des réalités.
Donc on a eu tous ces effets perfusion qui ont figé la situation sur un laps de temps, déjà. Donc les chiffres, on ne peut pas les regarder de façon brute, parce que si vous avez regardé le premier trimestre 2022, je pense qu'on remonte un peu, même sacrément. Donc voilà, là on commence à voir un retour à la réalité, et qui va faire très mal. Concernant le PGE, bah, j'étais pas pour, personnellement, parce qu'on recrée de la dette à des structures qui... pour certaines, étaient déjà en difficulté avant. Et ça, je pense que Pierrick va nous parler de ce qu'est l'engrenage des crédits et où ça mène. Alors, vous n'étiez pas pour le PGE, mais il fallait faire quoi, alors? Alors, il fallait, au cas par cas, déjà regarder toutes les structures qui ont un gros endettement et aller sur le délai de grâce, ce dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire suspendre les remboursements bancaires pour 2 ans sans intérêt supplémentaire de ces structures endettées. Déjà, on allégeait la trésorerie mensuelle du montant des encours, ce qui était déjà pas mal. Derrière, nous, avec des assos, notamment de commerçants avec lesquels on collabore, ou de TPE, il y a le CNTPE, il y a les pendus qui était intervenu plusieurs fois sur LCI, notamment, c'était la suppression des charges pour ces années. Parce que là, on a fait prendre des prêts pour payer de la charge. C'est la situation du surendettement pour un particulier, grosso modo. Est-ce que des personnes qui ont bénéficié de ce PGE aujourd'hui viennent sonner à la porte de votre association en disant « on a des soucis » ? Alors ça commence. Ça commence. On est au début, parce que quand on a eu... oui, ça commence. Notamment... Un exemple, si vous avez, sans citer la personne. Vous avez un dossier... c'est Banque Populaire, que je ne me trompe pas, où la personne est... On lui demande de rembourser le PGE parce qu'elle n'a pas fait de liquidation. Elle a fermé naturellement, donc le PGE qui était soi-disant pris à 90% par l'État. Vous avez eu aussi un effet pervers beaucoup... Comment vous allez l'aider, cette personne là? Quelle est la solution? On attend l'ensemble des documents, donc là je ne peux pas me prononcer. D'accord, vous n'avez pas le dossier encore. On n'a pas tout, on a le global de l'histoire. Une piste un peu À l'heure actuelle, non, j'en ai pas. Ouais. Pour être honnête, voilà. Là, à l'heure actuelle, non, on n'a pas de solution miracle pour tout ce qui est PGE. Sachant que le PGE, il y a eu aussi un autre effet pervers, c'est que beaucoup de banques... Quand l'entreprise avait par exemple un découvert autorisé, on inclut ce découvert, donc elles ont supprimé le découvert, elles l'ont inclus dans le PGE, ce qui fait qu'elles se sont garanties de l'argent qui était peut-être en difficulté avant par l'État. C'est quand même assez formidable. Donc ça, c'est un des effets pervers. Il y a quelques réseaux bancaires qui ont bien pratiqué ça. Après, là, on ne l'a pas suffisamment étayé pour citer nommément les réseaux bancaires, parce qu'il faut qu'on le recoupe sur plusieurs régions, bien évidemment, comme quand on annonce qu'on a 12 milliards d'euros de frais bancaires à peu près dans l'année, c'est qu'on l'a recoupé par des documents internes qui mentionnent noir sur blanc les commissions mensuelles prélevées dans la région, etc. Donc on peut tout à fait imaginer que là, d'autres personnes vont venir voir vers votre association suite à les soucis de remboursement de PGE. Ah mais il y en aura nécessairement, enfin on le sait depuis le début, même le gouvernement le sait depuis le début. Donc c'est pour ça que tous ceux qui avaient de gros encours, il y avait peut-être des solutions autres que de faire prendre un endettement. Une société qui avait zéro endettement, qui prenne un PGE, il va être absorbable une fois le retour à la normale effectué. Mais imaginez, on a même eu des entreprises, elles n'ont pas eu le temps de se lancer. Il y en a une notamment en Vendée. Les gens allaient se lancer au moment du confinement. Ce qui fait qu'ils n'ont pas eu le temps d'ouvrir et ils sont passés en liquidation. Je ne sais pas si vous vous rendez compte des conséquences pour les gens derrière. Et tout cela, par contre, ont été oubliés par le quoi qu'il en coûte. Pas des cas, des millions de cas, hein, mais mine de rien, pour ces familles, c'est des familles qui se retrouvent surendettées à vie. On l'a bien compris, vous n'étiez pas pour le PGE, vous travaillez avec des parlementaires d'un petit peu partout. Est-ce que quand le gouvernement a annoncé cette mesure de PGE, vous êtes allé voir ces parlementaires en leur disant « hop là ». On leur avait dit que pour nous, c'était une connerie, oui. Quoi ? Après, de toute façon, j'en avais parlé dans la presse sur actu.fr déjà de ça, que pour moi, le PGE, c'était une fausse bonne solution et que valait mieux prévoir des mesures fortes de relance de pouvoir d'achat pour les sorties de confinement et remettre les gens directement à consommer, quitte à donner des aides, parce qu'on a créé du déficit, donc il fallait peut-être le créer à meilleur escient. Après, c'est mon avis personnel. Mais visiblement, vu le chemin qu'on prend, les liquidations qui commencent à monter et tout, c'était peut-être pas une mauvaise analyse. Après, l'avenir dira, si on s'est planté, on s'est planté, mais prendre de la dette, c'est jamais une bonne solution. Sébastien Lier, on va passer au témoignage de Pierrick, qui est sur ce plateau. Pierrick, est-ce que vous pouvez nous raconter? Vous êtes un ancien chef d'entreprise à qui il est arrivé bien des malheurs. Est-ce que vous pouvez nous raconter rapidement votre histoire? Oh, bien des malheurs, c'est vite dit. Effectivement, moi je suis, déjà au départ, je suis autodidacte. J'ai une compétence managériale.
une compétence en droit du travail, une compétence en gestion d'exploitation. Par contre, grosse lacune sur le plan comptable, gestion financière. Donc, quelle était votre société ? Qu'est-ce qu'elle faisait ? Mon entreprise, donc cette dernière entreprise, faisait du service à l'hôtellerie, en hébergement. Donc, une activité essentiellement de main-d'œuvre. Donc, ce que je peux dire... Vous l'aviez créée, cette entreprise, ou vous l'aviez reprise ? J'avais participé à sa création. Je l'avais reprise au bout de 2 ans sur la défection de mon actionnaire principal. Ce qui m'a amené à faire une rencontre funeste de mon banquier. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là ? Vous rencontrez votre banquier, qu'est-ce qui se alors passe ? Il s'agissait de... Et je crois toujours à ce projet, hein, puisqu'il y a un marché, c'est d'abord un besoin. Et le besoin est encore prégnant actuellement. Donc je me retrouve à découvrir la situation financière réelle de cette entreprise. Bon... manquait pas grand chose, donc on met en contact avec un banquier que je citerai pas, qui m'accorde un prêt de 23 000 euros. Bon, j'apportais une garantie de 100 000, donc tout allait bien. Donc avec ce prêt de 23 000 euros me permet de poursuivre le règlement des salaires et l'entreprise prend son vol. Combien vous aviez de salariés dans votre entreprise ? Quand j'ai cédé l'entreprise, on était à 49 salariés équivalents temps plein. Donc quand même une entreprise conséquente. Ah oui, tout à fait. Tout à fait. C'est une entreprise qui entretenait les plus belles enseignes de La Rochelle, Sainte, Niort. Donc la banque vous remet à flot avec 23 000 euros ? Alors la banque me remet à flot avec 23 000 euros, donc... on commence à décoller, mais enfin avec des sorties de bilan qui sont pas c'est joli, mais c'est pas fabuleux quoi. C'est des résultats. Vous êtes à peu près à l'équilibre et un peu en dessous. Voilà, non, c'est pas non plus à l'équilibre et un peu au-dessus quoi. Entre 10 et 20 000 de résultats. Donc vous personnellement, vous arriviez toujours à vous tirer un salaire? De toute façon, je n'ai jamais... Alors là, c'est une... Là, c'est bon, déjà, j'ai une famille avec 4 enfants, donc on ne peut pas faire vivre tout ce petit monde sans salaire. Moi, l'image du créateur d'entreprise qui me dit « Ah, je me crée pas de salaire, je ne me suis pas créé de salaire depuis 3 ans », ça veut dire... ou qu'on ne sait pas gérer son exploit, ou qu'il n'y a pas de marché. Donc vous aviez quand même un peu une petite notion de comptabilité quand même. Vous disiez tout à l'heure que ce n'était pas votre truc, mais... Non, l'exploit, c'est ma... Ouais. C'est quelque chose d'instinctif, parce que je le fais depuis très longtemps. Maintenant, les aspects purement comptables, je suis un foutu de lire un bilan. Soyons clairs. Ça se poursuit comment avec votre banquier ? Il y a eu un premier prêt, et puis un deuxième, ça se passe très bien. Deuxième prêt, donc il me prête de l'argent pour acheter une voiture, donc tout va bien. Et j'ai 2 projets qui sont sur le tapis. Le premier qui est de déménager sur une maison un peu plus grande. Bon. Donc, agrandissement de l'entreprise, quoi. Non, de ma maison à moi. De votre maison à vous, personnellement. De ma maison à moi. Donc ça, c'est le premier qui se présente. Donc ce prêt est accordé, mais sous garantie d'une officine cousine de la banque. Donc là, il y en a pour 200 000 euros, tout va bien. Et puis, j'ai une opportunité d'achat de terrain. Petit achat, hein, 40 000. Et me vient l'idée, peut-être saugrenue, de monter et le siège de l'entreprise et un centre de formation, puisque dans mon type d'activité, le salarié idéal, il faut le fabriquer. Donc je me dis, on va monter un centre de formation. Donc là, on est bien sur de l'agrandissement de l'entreprise. Et là, on est
purement et simplement sur l'entreprise. Entreprise qui, je vous dis, rapporte grossi modi 14 000 euros par an. Hein, donc, en résultat. Donc là, en résultat. Je monte le projet, 400 000. Bon. Vous allez voir votre banquier. Je vais voir mon banquier qui me dit non. Bon, je lui dis, c'est pas grave. On va aller voir la concurrence. On va mettre de côté. Oh, même pas, parce que la concurrence est du même avis. Hein. Et puis, au bout de quelques mois, mon banquier m'annonce que c'est bon, on peut y aller. Bon, on est en 2008. Et vous lui avez demandé ce qui a fait changer son avis ? Non. Alors, l'avis est arrivé au mois d'août. Alors, au mois d'août, en hôtellerie, je vais vous dire, les semaines font 70 heures. Donc, il y avait du chiffre. C'est pas du 24 sur 24. Il y a du chiffre. Mais enfin, bon, encore une fois, les résultats, non. C'est une entreprise qui a une croissance importante. Entreprise, croissance importante, ça veut dire achat de matériel, ça veut dire formation de personnel. Beaucoup de frais de fonctionnement. Frais de fonctionnement qui fait que la trésorerie... Vous obtenez vos 400 000 euros. Et on m'accorde mes 400 000 euros. Donc là, en 2008, vous êtes endetté de combien ? Alors, personnellement et votre entreprise ? En 2008, non, sachant que tout le monde bosse pour l'entreprise, hein, et moi et mon épouse. Moi, en tant que gérant, mon épouse en tant que DRH. Et en fait, on me prête, ouais, tout mis bout à bout, la voiture plus l'entreprise, plus l'entreprise, plus la maison, on est à 800 000, on est à 800 000 euros, quoi. Pour une entreprise qui dégage à peu près 14 000 euros de résultats, c'est ça ? Pour une entreprise qui dégage à peu près 14 000 euros de résultats. Alors, Excusez-moi, Sébastien Allaire, il n'y a pas un dysfonctionnement au niveau de la banque, là, il n'y a pas un déséquilibre par rapport à votre expérience ? Alors, il faut se resituer à l'époque où on était, 2008. Juste avant les subprimes et compagnie, cette période où ils prêtaient à tout va sans chercher à comprendre, parce que tout allait bien, tout allait aller dans le meilleur des mondes pendant X années. Donc, ça fait partie de l'effet pervers, mais le seul détail, c'est qu'aujourd'hui, c'est Pierrick qui le paye. C'est personne d'autre. Parce que la banque, elle va absorber ça, c'est passé en perte. Et encore, il a de la chance parce que son réseau bancaire, c'est le CIC, je crois, de mémoire. Vous l'aviez. Ouais, bon, c'est pas grave, moi, je peux. Donc, votre banque, vous faites partie des réseaux bancaires qui ne revendent pas à des cabinets de recouvrement. Sinon, vous seriez tombé dans le cas d'Intrum Justicia, Hoist Finance et toute cette fine équipe de charognards, je les appelle comme ça, qui viennent vous saigner tant qu'il y a une goutte. Ah, mais j'ai eu la farce avec la petite cousine de la banque que vous avez citée. Hein, quand même, quand il s'agit de la résidence principale, automatiquement, c'est le recouvrement du CIC. Pas du CIC, parce que le prêt avait été fait sous garantie d'autre chose. C'est, d'accord, Manu, un organisme de caution. Ouais. Avec ces 400 000 euros, vous construisez ce bâtiment, vous développez votre entreprise ou les ennuis arrivent là ? Alors, les ennuis commencent à arriver. Parce que l'entreprise, de toute évidence, ne peut pas absorber ça. C'est-à-dire qu'une entreprise qui était partie pour faire des bons petits résultats, on lui met 60 000 euros d'annuité de prêt, automatiquement, ça ne va pas le faire. Qu'est-ce qui se passe ? Donc petit à petit, l'entreprise, les résultats, on passe dans le rouge, et puis on passe dans le rouge carmin. Puis foncer. Et puis ça déclenche des agios dans un premier temps, parce que la banque continue à tenir l'entreprise. Normal. Et puis on passe en 2012 à de la facturage, c'est-à-dire que je revends mes factures à la banque qui prend 7% au passage. Sachant que la marge opérationnelle d'une entreprise de ce type, c'est 5%, quoi. Hein, donc déjà, elle est plantée d'office. Et puis, finalement, en 2013, je me dis, on va mettre en vente l'entreprise. Là, vous dites, c'est fini, c'est très foutu. Très mauvais choix. Je mets en vente l'entreprise. C'était quoi le bon choix ? Le bon choix, c'était de mettre en redressement l'entreprise. Tribunal de commerce. On aurait pu avoir un plan de redressement sympa. Peut-être aller plus loin. Et aller plus loin en remettant en question l'aspect immobilier. Parce que le problème de l'entreprise, ce n'était pas son fonctionnement interne.
c'était les crédits immobiliers qu'elle avait sur le dos. Donc vous mettez en vente l'entreprise. Donc je mets en vente l'entreprise, ou... je trouve un acheteur dans la semaine. Ah bah ouais. Donc l'affaire n'était pas si pourrie que ça en fait. Ah mais elle était sublime. On n'en a pas fait des comme ça depuis. Hein. D'accord. Alors vous trouvez un acheteur et quelle est la position de votre banque là à ce moment-là? Alors, elle continue dans le même schéma. Ma banque est là ben, au moment où l'acheteur, la conseillère se déplace pour assister à la signature, à la remise du chèque, repart avec le chèque. Et puis ben moi, je vais continuer à payer. Et donc concrètement, du produit de la vente, vous n'avez rien touché. Ah ben, finalement, du produit de la vente... vous avez perdu votre entreprise. J'ai pas touché grand-chose, j'ai perdu mon entreprise. Comme j'avais pas l'âge de la retraite, je me suis retrouvé sans rien. C'est-à-dire que pendant 2 ans, on a vécu sur nos réserves. Et puis au bout de 2 ans, il n'y avait plus de réserve. Et c'est là où les choses corsées ont commencé à se présenter, quoi. C'est-à-dire ? Ben, c'est-à-dire la mise en redressement puis en liquidation des bâtiments. Parce que vous étiez resté propriétaire des bâtiments ? Ah oui, j'étais resté propriétaire des bâtiments. C'était une SCI. Hein. D'accord. Donc vous touchiez un loyer où nous étions à 55%, où nous sommes à 50%, à 50-50 avec mon épouse. Là aujourd'hui, vous en êtes où ? Alors aujourd'hui, j'en suis que j'ai réussi à solutionner le problème parce qu'il y avait un petit prêt de 60 000 euros dont je vous ai dit qui s'est greffé en 2010. J'ai réussi à solder ce prêt de 60 000 euros, avec un petit moratoire, mais surtout avec le versement automatique à la banque du dépôt de garantie de la vente de l'entreprise. L'aspect habitation principale, nous avons réussi à le sauver, mais en sacrifiant un bien familial qui était dans la famille en Bretagne depuis plus d'un siècle. Donc ça fait mal psychologiquement. Quant au bâtiment... j'avais un, bon, je ne vais pas citer son nom, mais c'est un être exceptionnel, et elle se reconnaîtra peut-être si on l'écoute. On fait des procès au mandataire liquidateur. J'en ai eu une phénoménale. Qui vous a aidé ? Qui m'a aidé ? Plus qu'elle ne vous a rencontré. Qui a été, déjà, qui a vu, à mon avis, vu son expérience, que le dossier. Côté bancaire était très bancal et qui a essayé de me soutenir autant que faire se peut. Elle a réussi à retarder la vente forcée des bâtiments. Parce qu'encore une fois, ces bâtiments, je ne vous l'avais pas dit. Donc en 2008, le projet A831 était encore en cours. Nous sommes à Maran. Donc si j'ai investi dans des bâtiments d'aussi grande qualité, parce qu'ils étaient super isolés... C'est parce qu'il y avait ce projet de A831. Ça faisait partie de mes motivations pour faire quelque chose de joli, en me disant, si jamais ça ne tourne pas bien, avec une sortie d'autoroute à 200 mètres, je n'aurais pas de mal à le vendre, tout du moins le prix... que je l'ai acheté. Là, aujourd'hui, vous en êtes où ? Vous êtes ruiné ? Alors, vous n'avez plus rien ? Qu'est-ce qui se passe ? Il me reste encore mon habitation principale. Maintenant, le bâtiment, justement, je vous parlais du... Excusez-moi, je suis un... On va accélérer un petit peu. On va accélérer. Donc, le mandataire liquidateur a essayé de me tenir jusqu'au bout. Bon, début 2020, il m'a dit « Ah, la banque fait pression, il va falloir qu'on mette en vente forcée. Vente forcée, on sera allé à 180 000 euros de prix en dessous duquel on ne pourra pas aller. Le problème, c'est que je devais 250 000 euros à la banque. Et puis, on s'est bagarré en plein Covid. On a trouvé un acheteur à 260. Puis on a... Concrètement, vous êtes endetté à hauteur de combien aujourd'hui ? Une fois tout vendu, la banque me réclame maintenant 116 000 euros au titre des intérêts. Vous en voulez à votre banquier ?
J'en veux pas à la banque. Tout à l'heure. À qui vous en voulez tout alors? Tout à l'heure. On peut pas rester. J'en veux pas à la banque. Hein, la banque, bon, Sébastien a expliqué ce qu'il en était. Je salue au passage. Vous avez parlé du CMO. Ce sont des gens qui, quand on a été dans l'ennui, nous ont vraiment soutenus. Réseau Crédit Mutuel. Réseau Crédit Mutuel. Ce sont des gens phénoménaux. Hein, j'ai eu un partenaire. Non, mais c'est pas les pires. Dans le Nord, phénoménal. Donc, j'en veux pas. Les banques ont leur intérêt économique. On peut pas sortir indemne de votre expérience, maintenant, de votre vécu, là. Non, on sort grandi, cher monsieur. On sort grandi. Ça m'a permis de faire le tri dans mes relations. Parce qu'effectivement, dans ces cas-là, on ne voit que des dos. Ça m'a permis de voir les ressources de ma famille. Effectivement, il y a eu de gros sacrifices. Ben, nous avons découvert, et je les salue au passage, les gens de la Halte du Cœur, parce qu'on en a été là. Hein. Des gens sublimes. Donc on sort grandi de quelque chose comme ça. On n'en sort pas avec la haine. Moi, ce que je trouve dommage, c'est qu'une banque laisse un chef d'agence tout pouvoir pendant 20 ans sans rien vérifier. Alors, ça, c'est dommage. Sébastien, la faute de la banque, là, comment vous l'analysez? C'est quelque chose... ils ont été trop loin dans l'argent facile, entre guillemets. On peut parler de défaut de conseil, on peut parler de soutien abusif, qui existe également en termes juridiques. Mais voilà, on en revient aussi à cette origine d'époque où ils finançaient tout et n'importe quoi sans chercher à réfléchir. Les délégations étaient plus élevées qu'aujourd'hui. C'est-à-dire avant qu'il y ait des commissions, parce qu'aujourd'hui, ils vérifient un peu mieux les solvabilités, ce qui, je dirais, est normal et aurait dû déjà être le cas. Ouais. Parce qu'on est sur du bon sens, là encore. Mais le bon sens, à l'époque, voilà, c'était l'euphorie immobilière. Ils misaient sur la spéculation de revendre des biens. Donc voilà. Défaut de conseil, c'est attaquable, ça? Bien sûr. Bien sûr. Après, ça se joue sur le point de départ de la prescription. Sous réserve de la prescription. Parce que là on en est à ce stade, hein, qui va se plaider très prochainement. Effectivement, lorsque j'ai mis en avant tous ces arguments, la réaction, mais très habituelle, de la ligne de défense de la banque, c'est de dire... La prestation est de 5 ans. C'est marrant, la prestation... Donc ils ont traîné les pieds volontairement, selon vous. La prestation est unilatérale. Mmh. Bon, donc effectivement, elle serait bilatérale. On ne parlerait plus de cette affaire. Donc la prestation, la prescription est de 5 ans. Alors ça peut donc se débattre C'est leur ligne de défense actuellement. Sur la date de connaissance, vu qu'il n'avait pas de compétences comptables. Après, c'est du débat juridique, donc là-dessus, on ne préjuge pas, c'est les juges qui trancheront. Sachant que c'est nécessairement une affaire qui ira en appel. Pas forcément. Si on est entre gens intelligents, elle peut très bien... Moi, je ne demande rien. Cette opération m'a coûté entre... l'entreprise, enfin sur le plan argent, hein, entre l'entreprise et la perte de ce bien familial, et bon, les bâtiments que j'ai vendus, que j'avais payé 300 000 euros ou 400 000 euros, et que j'ai vendus péniblement 260, dont j'ai pas vu la couleur, on peut dire que mon préjudice financier à moi est de 500 000 euros à peu près. De tout ça, je demande rien. Ben vous êtes bien gentil, Pierre. Mais objectivement, c'est pas le. Pour moi, la question n'est pas là. La question est qu'on arrête. Je suis très heureux qu'il m'ait attaqué maintenant, parce qu'ils avaient 5 ans pour le faire. Je suis très heureux qu'il m'ait attaqué maintenant parce que, et je les remercie. Parce que j'ai 67 ans, j'ai monté une petite activité de consulting, hein, c'est pour ça que la retraite à 65 ans, ça me fait doucement rigoler, j'ai monté une activité de consulting, bon, pas un truc énorme, hein, rassurez-vous, mais où je fais ce que j'aime. Et ça me permet notamment d'alimenter le combat. Et dans votre cas, on peut encore faire confiance à une banque?
Là, vous avez pas. Refait confiance non, à une banque. Alors, le problème, ce n'est pas qu'il faut faire. Là, j'ai revu un peu ma position en me disant, comme aurait dû se dire Vladimir, puisque c'est la devise du KGB, sans investigation, pas un pas. C'est-à-dire que maintenant, je ne vais plus, comme il y a 15 ans ou 20 ans, respecter l'expertise de chacun, quel qu'il soit, les yeux fermés. Pour moi, je savais faire des trucs, donc je faisais appel à un comptable qui était censé me conseiller et qui m'a jamais conseillé. Et j'ai utilisé 3 cabinets, hein, donc on est clair là-dessus. Je fais appel à un banquier qui, pour moi, est un partenaire. Donc, qui va me prévenir, attention, Pierrick, là, votre truc, attendez 2 ans, parce que il y a un donc risque. Donc, il y a eu, on va accélérer, Pierrick, il y a eu un défaut de conseil, de toute façon, manifeste dans votre alors, affaire. Alors, il y a eu un défaut de conseil, et il y a eu un abus en ce qui concerne la caution, parce que je ne vois pas comment on peut mettre sur 2 têtes une caution de 800 000 euros, sachant que le patrimoine cumulé des deux, ça doit être 180, 200 000. Hein, il y a un problème quelque part. C'est mais ce que vous disiez, donc c'était un l'ennui, problème de, c'était de vision. L'ennui, c'était le montage où le premier prêt a été monté avec une société cousine qui apportait la garantie et la deuxième a été montée sans tenir compte du patrimoine, sans tenir compte des résultats de l'entreprise et surtout, je l'ai lu après, en annonçant un prêt de 390 000 sur un bien de 470 000. Ça a été une façon de faire croire à la hiérarchie de ce monsieur qui avait un apport personnel alors que c'était pas le cas. Donc là, on est quand même dans la limite, dans la ligne rouge. Hein. Merci Pierrick pour votre témoignage. Je vous remercie de votre accueil. Un petit peu nos téléspectateurs sur des cas un peu douloureux, enfin un peu même beaucoup énormément douloureux, hein, parce que je pense que bon ça doit aussi laisser des traces. Vous êtes venu aussi avec un autre témoignage, celui-là beaucoup plus bouleversant. On va l'écouter et vous nous direz un petit peu, vous nous raconterez un petit peu cette histoire. Des prêts, toujours des prêts. Bien sûr, ils gardent avec ça. Et ça fait que là en plus j'ai eu ma voiture, j'ai eu 500 euros de frais, j'ai pas le choix de faire. J'ai pas le choix. Et là je me retrouve à un découvert pas possible. Au-delà autorisé, entre les frais et tout ça. Et de toute façon, avec toute la succession que j'ai entre les assurances et tout, je vous demande d'aider ma famille. C'est tout ce que je peux faire. Je suis à bout, j'en ai marre. Je vous remercie. Donc ce témoignage, vous l'avez reçu via votre téléphone. Cette personne s'est suicidée à la suite de cet envoi, en fait, puisque c'était une vidéo. Hein. On a juste passé le son pour préserver son anonymat. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu son histoire? À David, c'était son prénom. Alors, malheureusement, ce monsieur, bon, aléa de la vie. S'est retrouvé avec une petite baisse de revenus pendant le Covid, ce qui est arrivé à beaucoup de personnes, parce que malgré le chômage partiel vous indemnisez sur la part fixe, mais pas sur les parts variables. Donc beaucoup de familles ont quand même perdu du pouvoir d'achat pendant cette période. Et vous cumulez après une panne de voiture qui a été l'élément déclencheur, et du mauvais endettement. C'est-à-dire des crédits conso, souscrits. D'ailleurs, sa femme n'était même pas au courant de certains. Un coup de trop, la pression, parce que ça met les gens dans des situations, voilà, c'est des appels. Alors, envoyé en vidéo, c'est la première fois que ça m'arrive, mais des gens avec cette détresse-là au téléphone, par contre, ça, c'est fréquent. Et ça fait partie des réalités, et ça fait partie des réalités dont on souhaite qu'elles soient enfin entendues, et c'est pour ça qu'il faut réformer beaucoup de choses. Là, on a quand même la mort de quelqu'un sur la conscience, à cause d'un mauvais endettement. Vous parlez de suicide, c'est le cas de David. Y a une profession qui souffre énormément. Les agriculteurs. On est d'accord. Est-ce que les agriculteurs viennent vers vous? Oui, il y en a. Alors, sachant que malheureusement pour le professionnel, on a moins de lois protectrices que pour un particulier.
Vous voyez, pour un particulier, les frais bancaires, on peut les stopper par l'OCF, décret du 30 juin 2014, par les nouveaux engagements qui sont encore boiteux, parce qu'il faut aller plus loin, c'est encore trop restreint. Mais on arrive à aider un particulier. Il y a le délai de grâce qui va permettre de suspendre les crédits, et on a le dossier de surendettement. Pour le pro, hormis le redressement, c'est le seul conseil qu'on peut donner, parce qu'on n'a pas de loi pour protéger les frais bancaires. Donc, un particulier peut être fragile, mais une entreprise ne peut pas l'être en termes de frais bancaires. Vous voyez, on a toute cette ambiguïté qu'on souhaiterait enfin clarifier. Pour pas arriver à des situations... Parce qu'un chef d'entreprise qui se suicide, c'est aussi fréquent. Les agriculteurs, notamment, mais pas que. Il y a aussi des indépendants qui se suicident. Mais après, voilà, c'est pas mis en lumière. Mais le suicide pour raison financière, j'aimerais qu'on ait les statistiques, parce que c'est plus de morts que sur les routes. Et ça, j'en suis à peu près convaincu. Quand on arrive à cette situation-là, alors cette personne est allée jusqu'au bout... qu'est-ce que vous conseillez, en fait? C'est ne pas rester silencieux, de se montrer, d'aller parler à droite et à gauche. C'est pour ça qu'on prône de ne pas vivre ça en silence, et c'est pour ça qu'on le met en lumière volontairement. Mais pas facile, pourtant. Il y a beaucoup de pudeur derrière tout ça. Il y a beaucoup de pudeur. Voire de honte. Oui. Il y a beaucoup, oui. Oui, mais c'est pour ça qu'il faut enfin briser ça, pour ne pas en arriver à ça, vous voyez. Plus les gens le vivent, ça les bouffe à petit feu. Donc, en parler, déjà, ça permet d'éventuellement chercher des solutions, parce que ce monsieur... Est-ce qu'il y avait une solution pour ce monsieur ? Un dossier de surendettement, qui aurait gelé ses créances, notamment, et puis ça permettait d'étaler, il y en a peut-être certaines qui auraient été supprimées, enfin, voilà, ça laisse, je dirais, ça stoppe tous les remboursements, donc ça aurait permis de faire le ménage. Il y a aussi une mauvaise communication sur ces solutions, justement. Phénomène de honte. Voilà, les gens ont honte. Combien Et alors, les gens ne connaissent pas aussi, parce que pour beaucoup, le surendettement, c'est la honte, et puis on va plus avoir de chéquier, plus ci, plus là. Absolument. Je dirais que c'est un moindre mal, parce que quand vous êtes en situation d'endettement à ces points-là, la commission de surendettement, le plus gros point, ça va être d'être fiché FICP, et grosso modo, d'être interdit de faire de nouveaux crédits. Mais vous n'êtes pas en position d'en faire, donc c'est un faux problème. On parle beaucoup de violence conjugale aujourd'hui. Est-ce qu'on pourrait parler de violence bancaire? Oui. Alors, il y a un très bon article qui a été écrit par Ingrid Potier, qui est de Laval, qui était bénévole dans l'asso où j'étais, qui a fait le parallèle entre violence conjugale et violence bancaire. Et elle a fait un très bel article que je pourrais vous passer. Et oui, elle a comparé ça, ouais, parce qu'il y a le phénomène de... Le seul moment où vous êtes à l'équilibre avec votre banque, c'est avant d'avoir signé un encours. Tant que vous ne lui devez rien, vous êtes à l'équilibre. Vous pouvez décider de partir du jour au lendemain, ça va à peu près bien se passer. Par contre, dès que vous avez un prêt IMO, dès que vous avez un gros crédit, c'est beaucoup plus compliqué de partir. Ils vous retiennent ? Bah oui, indirectement. Est-ce qu'on peut parler de manipulation ? On peut aller jusque-là ? Non, je ne suis pas du genre à psychoter, je juge juste factuellement. Violence serait le terme le plus approprié. Ouais. Oui, parce que c'est un matraquage. Il faut légiférer là-dessus ? Bah oui, mais il y a beaucoup de trucs, mais légiférer intelligemment. C'est-à-dire pas interdire le crédit, non, mais que ce soit vraiment calqué à ce que vous allez pouvoir faire. Et vraiment prévoir un palliatif, notamment le délai de grâce, et on est pour qu'il soit simplifié et harmonisé dans toute la France. On est tous dans le même pays, c'est pas normal qu'à Nîmes on ait une réponse sous une semaine, et c'est pas normal que certains tribunaux demandent obligatoirement qu'on passe par un référé avec avocat, et qui dit échange d'avocat, dit allongement de la procédure. Vous voyez, on est tous dans le même pays. Donc voilà, nous on en serait pour que ça s'applique uniquement par écrit, parce que ce qu'on nous a dit en commission, donc quand on a été auditionné, c'est grosso modo que c'était une atteinte au droit du créancier. Il n'y a pas d'atteinte au droit du créancier, parce que si le créancier estime que la personne est de mauvaise foi, quand il y a un délai de grâce d'accorder sur ordonnance, le créancier a 15 jours pour faire opposition. Et après, il va présenter ses arguments, parce que oui, c'est vrai que certains peuvent être de mauvaise foi, ça on ne va pas le nier. Mais dans ce cas, si la personne a été de mauvaise foi ou a caché des choses, eh ben, le créancier peut le mettre en avant. Donc il n'y a pas réellement d'atteinte à son droit. Par contre, à le décider rapidement, l'ordonnance, on stoppe l'hémorragie aussitôt. Ce qui fait qu'arrêter de rembourser le prêt IMO, je prends souvent cet exemple parce que c'est la charge la plus importante pour une famille, globalement. Et bien stopper ça, mais dès le lendemain, la personne, dès qu'elle a pu les mensualités du prêt IMO, sa situation financière ne se dégrade plus, au contraire, elle remonte. Vous voyez ? Et ça, c'est un bon palliatif pour nous, pour le surendettement. Seul détail, c'est que les banques s'opposent à ce genre de mesures. Et je sais de source interne, alors je ne citerai pas le nom de la banque, un employé qui a demandé à son back-office, donc c'est-à-dire là où il demande ce qu'il faut faire dans certains cas, et au service juridique. Et il a parlé de ça, parce que bah, bien souvent, quand ses clients ont des problèmes, ils me demandent quelle solution on pourrait avoir. Vous voyez, ce qui est le paradoxe, hein, on s'entend avec beaucoup de conseillers. mais des gens comme ça, mais je trouve ça bien, vous voyez. Et il a demandé au service juridique et tout, et il a dit « Ah non, surtout, tu ne proposes pas ça aux clients. » C'est ce qu'on lui a répondu. Voilà. Violence bancaire.
vous en jugez ça. Moi, c'est pas moi qui le dis pour une fois. Votre association, elle mène des actions. Vous en avez parlé. Vous collaborez avec l'émission d'Élise Lucet, Cache Investigation, mais aussi envoyé spécial. Oui. Vous avez d'autres actions. Vous rapprochez des parlementaires pour essayer de faire un petit peu bouger les choses. Et vous avez aussi un projet de livre. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Oui, alors on a plusieurs projets. On a aussi mené des actions symboliques devant des sièges de groupes bancaires. On a emmené des moutons devant le siège du Crédit Agricole, par exemple. On casse rien, nous. Hein. On est juste là pour interpeller. Et puis justement, ça fait partie de notre façon de faire. Hein. On interpelle comme ça. On avait prévu aussi le départ du Vendée Globe pour la Banque Pop. Malheureusement, on était confinés. Mais ce qui était une belle image, vu qu'ils sponsorisent la voile. Parce que, le Vendée Globe voyez, nous revient à la fin de l'année, donc c'est bon. Vous pouvez... on risque d'aller les voir. Pour maintenant, le scoop est vendu, c'est pas grave. Mais voyez, les banques, tout réseau bancaire dépense des centaines de millions pour son image. Et ben nous, avec un budget de 500 euros, on va leur claquer l'image. Voilà. Et votre livre, alors? Alors, le livre, on est en train de débroussailler parce que le sujet est très large et on veut prendre le pire du pire, quitte à mettre en lumière. Donc on est en train de sélectionner. Vous allez mettre en lumière quoi? Est-ce qu'on peut le dire? Le pire comportement des banques, c'est un peu tôt, ouais. C'est... Ah, voilà, le pire comportement des banques. Mais il y en aura un peu pour tout le monde. Hein. Faut, y aura tout pas le de monde aura oui. Non, mais ça va aussi jusqu'aux élus parce que vous voyez, ce genre d'histoire qu'on met en avant, nous, on veut que ça bouge, quoi. C'est tout. Et est-ce que toutes ces actions-là que vous avez menées, comme devant le crédit agricole, est-ce qu'il y a des résultats après tout ça? Est-ce que ça interpelle, oui, ça nous amène de plus en plus, c'est chaque pas. Parce que nous, vous voyez, toutes les grandes professions, elles s'organisent en lobby. Maintenant, quel lobby il y a qui défend les consommateurs sur le sujet bancaire? Nous, on veut agir en lobby. On est la source la plus suivie. Nos publications sont plus partagées, par exemple, que 60 millions de consommateurs sur les réseaux. Vous travaillez un peu avec eux? Vous avez des liens ou vous échangez? Alors, ou... UFC que choisir, 60 millions de consommateurs, pas spécialement, parce qu'on n'a pas les mêmes façons de faire, ce qui est une certitude. Et puis nous, on est vraiment... Voilà, on veut rester, entre guillemets, ancré à la proximité. Vous voyez, c'est des assos qui vont faire des études. Mais bien policé sur belle feuille à 4. Nous, quand on a été voir les députés divers et variés, il y a le relevé de compte de monsieur, madame Intel, et on connaît le parcours de vie de cette personne. Alors justement, député, on y revient, on a beaucoup parlé de légiférer dans cette émission. L'Assemblée vient de changer, commission des finances est présidée par la France Insoumise, vous disiez que c'était... Oui, notamment Éric Coquerel qui nous a cité à l'Assemblée nationale pour nos travaux. Ouais. Vous étiez apolitique. Tout à fait. Ça vous inspire quoi que la France Insoumise préside cette commission? Franchement, étant donné que ça a été les seuls à proposer des projets de loi sur les frais bancaires, je dirais qu'on ne va pas se plaindre qu'ils veuillent le représenter. Voilà. Parce que là, on est, comme je disais, on est sur un sujet qui est apolitique totalement, parce que ça touche des gens de droite, des gens de gauche, des gens du centre, des supporters de La République En Marche, des supporters de Jean-Luc Mélenchon. Enfin, ça peut toucher tout le monde, le parcours de Pierrick. Donc, justement, et étant donné qu'il y avait eu 7 groupes parlementaires qui avaient voté pour une loi visant à stopper le racket bancaire, et bien, qu'elle soit représentée aujourd'hui, je serais curieux du résultat. Donc, l'histoire va peut-être s'écrire. On va voir. Nous, on va œuvrer et collaborer, à tout ce qui ira dans ce sens. Ça, c'est une certitude. Merci beaucoup, Sébastien Allaire, de nous avoir éclairé de beaucoup de choses. Hein. Vous connaissez en tous les cas votre sujet, ça, on ne pourra pas le dire. On ne pourra pas dire le contraire. Merci beaucoup de votre participation. Et puis, on vous réinvitera parce que je pense que les choses vont évoluer. Enfin, en tout cas, on l'espère. Et que de toute façon, cette histoire, comme l'a dit Yannick, va s'écrire. Ou pas. En tous les cas, les choses avancent petit à petit avec vos actions et ceux des autres. Merci Sébastien Lerre, merci Pierrick de votre témoignage. Merci de votre accueil. Merci messieurs, merci Yannick, merci Antoine. Merci. C'était la dernière de la saison. On se retrouve en septembre, nous, avec un nouvel invité, toujours pour parler de l'actualité économique, sociale et politique de l'ONIS et plus généralement de la Charente-Maritime. Portez-vous bien.